This weekend, Switzerland voted in a referendum on whether cows and goats should be allowed to keep their horns. And the Swiss have rejected that proposal. The Swiss federal chancellery has said that 54.7% of voters opposed the measure, while 45.3% cast ballots in favor. The initiative to preserve the dignity of livestock was led by farmer Armin Kapol. His argument was that if the horns were retained, it would improve their happiness and well-being. And this has sparked a national debate in Switzerland on animal rights following a campaign which began 9 years ago. The supporters of the campaign likened the dehorning to castrating cats or dogs and argue that it is a safety issue for other animals and farmers. Je me suis même pas posé la question. Une vache, c'est fait, ça naît avec des cornes. Donc il faut arrêter avec ça, de leur couper les cornes. C'est comme nous, si j'ai une grande oreille, on me l'enlève. La maltraitance animale est terrible. Moi, mon grand-père était paysan, on avait des vaches à cornes. Il n'y a jamais eu d'accident. C'est vrai qu'ils veulent les couper pour la rentabilité, parce qu'ils peuvent en mettre un peu plus dans le box. C'est dégueulasse. Bien sûr que j'ai voté. Opponents, including the Swiss federal government, had said the measure would cost as much as $30 million a year and drain funds from other activities. J'ai voté contre aussi parce que je pense que les cornes, en fait, elles nuisent à la sécurité des agriculteurs et des animaux. Parce que même, en fait, on dit que si il faut leur donner plus d'espace et leur laisser les cornes, mais ça reste des animaux, donc enfin, ils ont quand même des embrouilles entre eux, je pense, et puis ça peut les blesser. Ensuite, ça nécessite plus d'argent à dépenser, en fait, pour les agriculteurs, parce qu'on sait déjà qu'ils sont assez pauvres en Suisse et que s'ils doivent faire des emplois plus grands et tout, ils n'ont pas forcément les moyens. The impact of the issue was more spectacle than substance. Three quarters of Swiss cows, a national symbol and tourist attraction, are dehorned or genetically hornless. Calves are dehorned with a red-hot iron which causes smoke and a burning odor in a procedure that critics say causes pain.